coming up to me with you. Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire une mini perruque crochet avec de jolies boucles. J'ai utilisé la mèche expression que j'ai divisée en 8 parties. Je voulais diviser encore plus que ça, mais bon bref. J'ai également pris ma capucon bonnet et mon mini crochet. Désolée d'avoir commencé la perruque hors caméra, mais le processus reste le même du début jusqu'à la fin. Si c'est que c'est pour la première fois que tu tombes sur mes vidéos, que tu découvres ma chaîne, ma chérie, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater. Tu ne vas même pas le regretter. Et pour celles encore qui ne savent pas jusqu'aujourd'hui faire leur crochet, je vous invite sur ma page Instagram où je poste de petites vidéos, les astuces de Tanaji que vous allez adorer. Terminé avec mon crochet, je vais mettre l'huile Mélissa. Vous pouvez mettre aussi n'importe quelle huile. N'importe quelle huile, mes chéris. Mais il faut bien mettre l'huile sur votre mèche avant de mettre dans de l'eau chaude. Et vous pouvez aussi également mettre de l'huile dans de l'eau chaude.
cela ne gêne rien. Au contraire, ça fait du bien à la mèche. Et vous allez remarquer que cette fois-ci, la mèche, la perruque ira deux fois dans de l'eau chaude. Une fois raide comme ça et la seconde fois, ce sera avec des bigoudis. Oui, oui, mes chéris, c'est pour avoir le bon résultat là que je recherche. Vous allez remarquer de vous-même. Termine avec mes bigoudis. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous avais dit auparavant que j'avais plongé ma perruque une fois avec terminé avec mon crochet. Et ensuite, j'ai placé mes bigoudis. À peine terminé, regardez, je viens à peine d'enlever ce bigoudi là. Vous avez vu le pli que ça m'a donné? C'est ce que je voulais vous montrer. En fait, quand vous plongez votre perruque dans de l'eau chaude et que vous prenez les bigoudis, vous mettez, ou bien que vous faites des tresses, en fait ça prend ces plis là. Voilà. Alors je vais terminer avec ça. Je vais encore replonger ma perruque dans de l'eau chaude pour la seconde fois avec mes bigoudis et après venir couper mes mèches et coiffer ma perruque. Non, vous allez aimer ça, c'est sûr. Voilà mes belles, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de laisser toutes vos questions en commentaire. Je vais vous répondre. Toutes les descriptions sont en barre d'infos. Faites juste un tour. Alors, bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.